voilà 2-3 jours plus tard. Vous pouvez voir que derrière, c'est rebouché. Petite pause ici. Vous pouvez voir que devant la maison, on a quand même bien abîmé le dallage en pierre en voulant passer l'arrivée d'eau qui était justement de l'autre côté. Et deux, ici derrière, les précédentes images où on voit passer le réseau, la gaine rouge électrique et la gaine verte pour le réseau informatique. J'aurais dû les décaler un peu plus. Il faudra que je fasse des tests, voir si ça génère des perturbations. Et dans le cas où ça générerait des perturbations, je serais contraint non pas de passer un câble RJ45 dans différentes catégories 5, 6 ou 7, mais carrément une fibre optique qui, elle, ne sera pas sensible aux perturbations électromagnétiques. Pour ce qui est justement de l'alimentation électrique, là-haut, j'ai du 380 volts. De tableau à tableau, j'ai un bon 55 mètres. Donc, il s'agissait de dimensionner correctement la dimension du câble électrique. Vous savez qu'on a des chutes de tension si on utilise du câble trop fin sur des longues sections. En théorie, ici, j'ai un compteur 3 fois 30 ampères. Avec 30 ampères, normalement du 6 carré, c'est suffisant. Sauf que si on regarde un petit peu les petits abacs, si on regarde, vous allez chercher chute de tension sur Google, vous aurez des calculateurs. Et avec du 6 carré, sur 70 mètres, je me retrouvais avec 30 ampères, etc. Je me retrouvais à avoir une chute de tension, je crois, qui approchait les 14 volts, ce qui n'était absolument pas possible. Et donc, j'ai dû passer même pas en 10 carrés, mais en 16 carrés. Et vous pouvez voir que du 16 carré, ça commence à faire un gros paquet de cuivre. Voilà pour les petites infos, les petits retours, les petites bêtises que l'on va essayer de corriger au fur et à mesure. Et puis voilà.
Voilà, j'ai bien emballé, comme vous pouvez voir, l'isolation par derrière. Il y a également quelques éléments qui n'étaient pas en palette complète qui sont dans les caves de la maison. Ça ne craint pas l'humidité et c'est important parce que je ne vais pas l'utiliser tout de suite. En parlant d'isolation, j'ai envie de faire un petit coup de pouce, un petit coup de pub à Kenzaï qui ont été très réactifs et qui m'ont permis, dans cette période où c'est pas forcément facile de trouver des matériaux, d'avoir les matériaux en temps, en heure, même avant parce que moi j'ai pris du retard. Je vous mets un petit lien vers leur site dans la description. Voilà qui clôt ce premier épisode où on parle vraiment de la fabrication de cet atelier. C'est pas le plus passionnant, mais vous pouvez déjà voir derrière le résultat du prochain épisode. Julien va vous montrer également quelques petites images en guise de teasing. Et pour ceux qui voudraient suivre l'actualité de ce chantier jour après jour, presque heure après heure, je poste tout sur Instagram et sur Facebook. Alors n'hésitez pas à vous abonner. Allez, on se retrouve très très vite pour le solivage. Bye bye. On a commencé.